voyait personne. Rien pénata, rien à foutre de temps. Que la rume valide, de chauffement. S'en fout à madame, les contraires s'attirent. Sont pleines manies, je voyais personne. Rien pénata, rien à foutre de temps. Et salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 avec le spécialiste Tempête. Voilà pourquoi je fais une vidéo, c'est parce que j'ai vraiment bien joué en ce moment avec le spécialiste Tempête. Donc voyez un petit peu toutes les classes. On va juste en changer une. On va changer celle-là. Et c'est avec celle-là qu'on va combattre aujourd'hui. Et en commentaire, si vous regardez cette vidéo, vous pourrez me dire quelle arme vous voudrez pour la prochaine vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Et on créera la classe avec ces commentaires. Et ce sera toujours comme ça. Après une vidéo, vous donnerez des commentaires sur quelle arme vous voudrez. Et je ferai la classe que vous m'aurez demandé. Vous pouvez me faire chier si vous voulez. Hein. C'est un petit peu le but, n'empêche. Parce que j'aimerais faire une vidéo quand même fun. Et ça me plairait bien, voyez-vous. De que vous me créez la classe à ma place. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Du coup, là, on va partir sur une classe sniper fusil à pompe. Moi, j'aime bien les classes comme ça. Parce que souvent, les gens qui ont des classes comme ça utilisent plus souvent le sniper. Et donc aujourd'hui, on joue du coup avec le spécialiste Tempête sur 25 points. Donc on va y aller, c'est parti en MME, match à mort par équipe. Et aussi n'hésitez pas à liker à la fin de cette vidéo. Maintenant, on va parler un petit peu du spécialiste Tempête. Donc, le spécialiste Tempête, c'est quelque chose que je gérais pas bien au début. Mais après, quand j'ai commencé à l'utiliser vraiment, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était très puissant. Parce que, comme vous le savez, quand on lance un éclair avec notre fusil, ça va sur un ennemi, et dès qu'il y a un ennemi proche, ça attaque aussi l'ennemi proche. Alors on va peut-être mettre un petit peu de musique, mais pas trop fort, que vous puissiez entendre le son.